Ben, on a une nouvelle chronique au Spornographe cette semaine, hein, une chronique qui s'intitule « Vos taxes font du chemin ». C'est une chronique chantée par un artiste subventionné et cette semaine. C'est Philippe B. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette semaine? Ah, ben c'est un peu le février qui s'étire et la saison de hockey qui s'étire aussi un peu. Vous êtes poli. Ben, on écoute votre chant d'espoir. Si on n'arrive pas à en coller deux d'affilée, on va fermer la radio, la télé, puis on va se coller, toi puis moi, en dessous des couvertes, à l'abri des tempêtes et des lignes ouvertes. Ne pleure pas, mon amour, tu sais que l'hiver n'est pas éternel, que reviendront les beaux jours, ne t'en fais pas, ma chérie, je vois la lumière au bout du tunnel de la Zamboni. On dit qu'il faut toucher le fond avant de remonter. N'ayons pas peur des années de noirceur, et un jour, à nous les grands honneurs ou le petit bonheur, de danser un temps la danse du printemps. Ne pleure pas, mon amour, tu sais que l'hiver n'est pas éternel, que reviendront les beaux jours, ne t'en fais pas, ma chérie, je vois la lumière au bout du tunnel de la Zamboni. Eh bien, Philippe B, franchement, ça fait cher du 2 minutes de taxe. Hein? Ouais, peut-être, mais ça coûte quand même moins cher qu'un but de skate Gomez. Ah, ben, ouais, vu de même, merci. Vous reviendrez dépenser nos taxes. Mm-hmm. C'est très bon, merci. Le Spornographe est là!